Bonjour, c'est comme toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft, les amis. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Alors, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Comme vous avez pu le voir là-bas, nous avons donc, du coup, la roulette. Et aujourd'hui, voilà, apparemment, ça va être la roulette des sirènes. Donc, ça va être vraiment un truc de ouf. Donc, voilà, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va, du coup, rencontrer différentes sirènes avec qui on va pouvoir faire la rencontre, on va pouvoir faire la petite présentation et peut-être pourquoi pas j'inviterai une sirène dans mon île secrète parce que comme vous le savez voilà, dans mon île secrète pour l'instant voilà j'ai pas emmené beaucoup de sirènes, il n'y en a qu'une seule, enfin maintenant il y en a deux du coup avec ma fille aussi mais bon on la compte pas réellement comme une sirène puisque elle est moitié sirène, moitié humaine. Mais donc du coup voilà ce qu'on va faire c'est que on va partir voir le gars de la roulette des sirènes d'ailleurs, oula il est tout blond et tout, bon j'avais jamais vu quelqu'un comme ça dans la ville. Bon on va aller le voir directement. Et puis voilà, du coup, en tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Comme d'habitude, avant que l'on commence la vidéo, je compte sur toi pour que dès maintenant, tu t'abonnes à la chaîne YouTube en activant la cloche de notification. Ça me ferait vraiment super plaisir. Et puis en plus, comme ça, tu ne feras plus aucune de mes vidéos. Et si tu ne l'as pas encore fait, pense aussi au petit pouce bleu parce que du coup, voilà, à 3000 likes, on refera un nouvel épisode des roues comme ça, voilà, des petites roulettes qui tournent et tout. Et puis du coup, voilà. Bref, allez, nous, on est parti. Voilà, on va directement aller voir, du coup, le présentateur. On va aller voir qu'est-ce qu'il est en train de faire. Allez, c'est parti. On va aller voir qu'est-ce qu'il fait. Donc du coup voilà c'est parti, on va aller voir le présentateur. Hop là c'est parti, hop le présentateur. Ah bonjour monsieur. Oula, il dort ou quoi là? Oula ouais. Attendez, monsieur présentateur, ça va? Bonjour monsieur. Vous allez bien? Bien et vous? Ouais bah écoutez moi ça va super. Donc du coup c'est vous le présentateur de la roulette aujourd'hui? Totalement, c'est moi. Wow. C'est moi. Toute la semaine c'est moi en fait. Toute la semaine c'est vous qui allez gérer la roulette c'est ça? Je suis le remplaçant, ouais. Ok, et donc du coup aujourd'hui ça va être la roulette de quoi monsieur? C'est les sirènes de ce que j'ai compris, non? Alors, ouais, comme vous avez vu dans le journal, aujourd'hui c'est la roulette des sirènes. D'accord, donc du coup ça veut dire qu'en gros, voilà, il va y avoir des différentes sirènes qui vont arriver si je tire sur la roue, c'est ça? Totalement. Bah écoute, ce que je te propose du coup, parce que voilà, il y en a qui regardent ma vidéo actuellement et qui sont un petit peu perdus parce qu'ils connaissent pas les règles, c'est que tu les expliques en gros, parce que je vois qu'il y a des arcs, des flèches, et puis du coup, qu'est-ce qu'il faut faire à peu près, monsieur? Alors le but c'est totalement simple, donc dans le coffre, voir un arc et des flèches. Ouais. Vous prenez l'arc, vous avez que deux essais. Non, ouais. Vous avez quatre essais aujourd'hui. En fait, il faut que tu vises bien. Et ça dépend la couleur que tu vas... Ouais, en fonction de la couleur que je vais toucher, il va y avoir des sirènes différentes qui vont arriver, c'est ça? Totalement, exactement. Ok, bah écoute, merci beaucoup monsieur le présentateur pour ces petits ces petits conseils que tu me donnes. Bon bah du coup, et bah écoutez, ce qu'on va faire c'est que j'ai récupéré arc et flèche et puis bah écoutez, on va commencer. Donc bah mets-toi de côté quand même que je te tire pas dessus. Ça serait un peu dommage. C'est déjà arrivé en plus. Ah c'est déjà arrivé. Oula. Oula oula, bon. Et bien du coup, comme vous avez pu l'entendre, aujourd'hui on va avoir le droit du coup de ramener 4, enfin de rencontrer 4 sirènes parce que du coup je vais avoir le droit à 4 cibles. Donc c'est parti, on va commencer directement avec la toute première cible. Alors du coup, sur quoi est-ce qu'on va tirer? Voilà, je vous rappelle qu'on a du bleu, on a du orange, du marron, du rouge, du violet, du rose, moi, du vert et du jaune. Moi je dis, ouais. Je faisais bien votre cible. Ouais, je dois bien la choisir. Je réfléchis. Alors déjà, franchement, il y a une couleur là, vraiment, le marron, ça doit être vraiment une sirène bizarre. Hein. Une sirène marron, ouais, c'est pas les couleurs que j'affectionne particulièrement. Pareil, le orange, c'est pas trop si c'est une bonne idée. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être rester genre au niveau du bleu, du vert, du rose, du violet et du rouge. On va peut-être éviter, voilà, le jaune et le orange et le marron, ça risque d'être un peu bizarre. Mais bon, dans tous les cas, voilà, dans tous les cas, c'est un petit peu du hasard parce que je suis obligé de tirer en tournant rapidement la tête. Donc attention, 3, 2, 1, hop là. Oula, hop. Ce que vous avez fait là. J'ai tiré un peu haut, je crois, non? Oula. Attendez. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? J'ai peut-être, je crois que j'ai tiré vite fait trop. Bon allez, on va refaire parce que là j'ai tiré un petit peu trop. Vous avez qu'un dernier si vous voulez pas. Hein. Ok. Hop. Oh, ok. Ok, je suis tombé sur le bleu, je crois. Ouais, en plein dans le bleu. Bon, bah du coup, c'est quoi qui devrait arriver là? Attends, je vais aller voir parce que je crois qu'en bas, il y avait des sortes de cases, c'est ça, non? Regarde, venez voir, monsieur le présentateur. En gros, voilà, dans chaque case, il y a différentes... Enfin, dans chaque coffre, il y a différents trucs. Et là, donc, du coup, voilà, moi, j'ai ouvert le coffre bleu. La clé du coffre. Ouais, vas-y, passe-moi la clé. Ah, bon. c'est ouvert. Ok, je vais aller voir, du coup. Oh, ok. Donc du coup le premier coffre nous montre donc le pas, bah, du coup nous montre un premier livre où il y aura écrit du coup que c'est Gumball. Donc apparemment voilà Gumball en sirène quoi. Oula. Ok bon bah apparemment voilà Gumball devrait arriver dans l'île. Alors pour l'instant je ne vois pas. Bah écoutez on va regarder un petit peu autour de nous si le... Oh regarde là-bas. Regardez là-bas, je crois que. Mais c'est Gumball. Mais moi je m'appelle Gumball.
Salut Gumball, comment tu vas? Bien et toi? Ouais, bah écoute, ça va super. Waouh. D'accord, donc c'est tout nouveau ça. T'étais pas une sirène avant ça, non? En fait, je suis allé chez Apu et t'as capté, il m'a fait un prix grave bas. Ah ouais, d'accord, donc carrément Apu il t'a fait un petit prix pour que tu t'achètes une queue de sirène. Ouais, grave. Mais alors du coup, c'est une vraie ou c'est une fausse? Bah vas-y, viens, on essaie de plonger dans l'eau et on verra bien. Vas-y, bah on plonge dans l'eau et si tu nages plus vite que moi, c'est que t'es vraiment fort. Hein, parce que toi, vu que t'es un chat, normalement t'aimes pas trop l'eau, je crois. Hein. Bon, vas-y, c'est pas, vas-y, on saute, vas-y, bah 3, 2, 1, go. Ok, on va aller voir, qu'est-ce qui... Ok les gars, c'est une fausse queue. C'est une fausse queue les gars. Vite, vite, une canne à pêche, Vite, vite, attends, faut le pêcher, faut le récupérer. Oh, Gumball, Oh là là, les gars. Oh là là là, bon. Ça tourne vraiment mal là. Ok, ok. Bah attends, viens là toi. Hop là, il faut qu'on te sauve. Il faut qu'on te sauve. C'est bon, merci. C'est bon, t'inquiète. Bon, écoute, Gumball, je suis vraiment désolé. Normalement, dans cette vidéo, je devais rencontrer des vraies sirènes, mais toi, je suis désolé. Hein. Bon, c'est pas que je t'aime pas, Gumball, mais c'est juste que... Voilà, je peux pas te ramener sur mon île secrète parce que t'es pas une vraie sirène, en fait. Vas-y, c'est pas grave. Bisous, bisous. Ouais, vas-y, allez, vas-y. Ouais, bisous, Gumball. Allez, vas-y, pars, c'est bon. Allez. Ok. Ciao. Bon. Du coup, évidemment les amis, n'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que du coup, voilà, ce sera à vous de décider quel personnage vous allez préférer. J'en rappellerai un, voilà, si j'ai pas de coup de cœur, j'en rappellerai un pour qu'il vienne et que du coup, on le ramène sur l'île. Mais donc du coup, voilà, pour l'instant, on a commencé avec Gumball. Voilà, vous voterez tous dans les commentaires hein, quel personnage vous allez préférer et mettez un pouce bleu et surtout, bah, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Ok, bon, du coup, monsieur le présentateur, je pense que il est maintenant temps qu'on tire une seconde flèche, c'est ça? Ouais. Bah, en tant que gueule, vous avez pas trop le choix, mais c'est moi, je vais vous laisser tirer une note. Ok, ok. Bon, bah du coup, voilà, c'est parti. Allez, on va tirer du coup la seconde flèche. Let's go. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que, ouais, j'avais oublié, mais il faut qu'on bouche aussi le truc bleu, parce que du coup, voilà, le bleu a été fait. Donc voilà, on va le reboucher rapidement. Voilà, c'est bon, nickel. Ok, bon, bah du coup, c'est parti. Maintenant, on va tirer une nouvelle flèche. Alors du coup, voilà, vous avez vu, il nous reste encore quelques petits choix. Bah, il nous reste pas mal. Oh là, ok. Alors, je viens de tirer tout droit sur le jaune. Bon, c'était une couleur que je voulais éviter, mais bah, la flèche, elle m'a échappé, en fait. Oula, attends, je vais aller voir, du coup, dans le coffre jaune, qu'est-ce qui devrait se passer, alors. Attention, le coffre jaune. Oh, mais... Homer Simpson. Mais attendez, mais encore une fois, c'est pas une sirène, ça. Attends, mais il va arriver par où, Homer? Tu le vois? Il est où? Oh! Oula, salut, Homer. Oula, je crois qu'il a... Il a trop pu, Homer, là. Oh, fais gaffe. Wow. Salut Homer, tranquille? Ouais. Wow, bah dis donc, t'es... C'est moi, Homer. Depuis quand t'es une sirène, toi, Homer? Enfin, depuis quand tu te balades en sirène? Dans mon burger, il y avait une queue, deux chemises, et je suis bloqué. Attends. T'as mal digéré un donut, toi. Oh, ouais, t'as dû faire une grosse intoxication, regarde, c'est... Attends, il y a une queue qui t'a poussé, genre, comme ça. Ouais. Mais alors du coup toi t'es une vraie sirène ou c'est une vraie queue ou c'est une fausse queue que t'as? Je sais pas. Ok, bon, seul moyen de le savoir, bon après Homer il est un petit peu bête donc je sais pas si c'est... Mais le problème c'est que je flotte. Ouais, justement c'est ce que je me dis, mais tu sais nager toi ou pas du tout? Ouais. Ok, bon, écoute moi vu que je sais pas si tu sais nager ou pas, voilà ce qu'on va faire c'est qu'on va tester sur le terrain. Allez, vas-y, saute dans l'eau et du coup, bah, tente de nager pour voir un petit peu comment tu nages. Je suis fatigué. Ouais, non, mais essaye juste de mettre un petit coup de nage. Enfin, essaye juste de mettre un coup de nageoire pour voir si c'est une vraie queue de sirène. Ah, ok. T'as canne à pêche, on sait jamais. Bon, ouais, j'ai ma canne à pêche quand même, mais là... What? Que... What? Mais si, c'est une sirène. Regarde ce qu'il s'est fait et tout. T'as vu ce qu'il a fait? Il est... Ouais. Mais sirène. Si. Mais c'est une queue de sirène. Ouais, c'est Homer sirène. Ah, bah, la première fois, c'est pas une arnaque. Eh bah dis donc Homer, waouh, franchement je suis surpris que tu es... Ouais mais carrément là, hein. Waouh. Bon, et bah du coup, enchanté Homer. Mais alors du coup, je voulais savoir, est-ce que ça t'intéresserait de me... Bah, parce qu'en fait moi si j'ai fait aujourd'hui la route des sirènes, c'était plutôt pour voir des filles sirènes, pas trop des garçons sirènes. Donc, je sais pas, tu connais pas sinon des... T'as pas des contacts filles sirènes dans le coin ou pas? Ah ouais. Genre qui? Bah à Springfield, une fois il y a eu une fille qui était toute rouge avec des taches de coccinelle. Ah, je crois que je vois c'est qui. Elle s'appelle pas genre Ladybug, un truc comme ça? Ladybug, un truc comme ça. Ah, Ladybug. Bah, peut-être que si on tire sur du rouge, on va peut-être réussir à la voir. Hein, ah aussi, il y a une poupée qui me fait peur. Ah, une poupée. Attends, t'as vu une poupée se balader? Ouais, c'est des bails sombres, ça. Alors, bon, on va faire attention à nous. Ok, bah écoute, bah merci beaucoup. Bisous. Ouais, merci Homer. Allez, vas-y, à plus. Oh là 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 là. Ouais. Bon,
Il nage mais super vite hein, Homer hein, pour une sirène. Bon, et bah du coup ce qu'on va faire c'est que bah on va continuer hein, je pense on va continuer la petite émission hein, parce que là du coup voilà, il nous reste à peu près deux tirs à faire. Alors donc il nous reste le tir de Chucky je crois. Donc Il nous reste différentes cibles, vous avez pu voir, on a du marron, on a du orange, on a du vert, on a du rose, du violet et du rouge. Donc on va évidemment refermer aussi le jaune maintenant qu'on l'a fait. Hop, voilà. Ok, bon, du coup c'est parti, on va faire maintenant un nouveau tir. Attention, sur quoi est-ce qu'on va tirer? Attention, c'est la surprise. Hop. Ouais, vous avez rien vu. Ok, hop. Ok, bon. On est tombé les gars sur le vert. Alors le vert, bah je sais pas c'est quoi exactement. Allez on va aller voir ce que c'est. J'espère que c'est pas un truc trop galère. Alors attention, le vert. J'espère que c'est une fille. Oh, mais non, mais c'est pas une fille. C'est Baldi monsieur. Non mais attends. Mais monsieur, y a pas de sirène fille dans votre jeu ou quoi? Ouais. Attendez, vous êtes. Ouais. Ouah, y a Baldi, il arrive en avion les gars. Regardez ça, il se ramène en avion. Wow. Oulalalalala. Bon, les gars, j'espère que Baldi va pas nous faire des exercices de calcul mental parce que bon, c'est pas que j'ai un peu du mal, mais si un peu quand même. Oh là, Baldi il veut pas atterrir par contre là. Wouh, wouh, wesh, wesh. Oula, wesh. Tu veux pas qu'on aille voir s'il va bien le pauvre là? Si. Ouais, vas-y, attends, viens, on va aller voir s'il va bien. Oula, ok, on va passer par ici, tac. Hop là, yo Baldi, tranquille. Oula, wesh. Ça va, tu t'es pas fait mal là, tu t'es blessé? C'est une gratinure. C'est naturel. C'est naturel. Tout comment... est naturel. De quoi qui est naturel? L'avion a décidé de piquer et il a piqué. Ah ok, bon bah hop, voilà, c'est bon, hop, il va finir dans l'eau, ok. Bon, c'est pas grave. Du coup, la force de thune. T'as vu un peu les biceps que j'ai là? Et ouais, ça c'est quand j'ai poussé à la salle. C'est bon. Grâce à moi. Eh, du coup Baldi, je voulais savoir aujourd'hui, enfin qu'est-ce que ça te dirait qu'on fasse aujourd'hui Baldi? Tu voudrais qu'on fasse quoi? Parce que toi je te connais. Je devrais t'apprendre à enseigner. Oh non, mais encore. Mais attends, mais Baldi, t'es tout le temps là pour la même chose, que des calculs toute la journée. Tu veux encore faire des calculs? Alors on va faire des sciences. Vas-y, c'est quoi, on va tester, Ok. Moi j'étais prof de maths avant d'être Ah ouais, mais le truc c'est que tu sais que Baldi aussi c'est un prof de maths hein. Oula. Non mais vas-y, réveille-le. Ok, t'es prêt ou pas? Ouais. Ouais. 1 plus 1. 2 plus 2. 2. 3 plus 3. 3. 4 plus 4. 4. Et 5 plus 5. 5. N'importe quoi. Attends. Tu viens vraiment de faire un calcul challenge avec Baldi là? Totalement. Wow. Et en plus, en vrai de vrai, il a répondu mal à toutes les questions, je crois. Hein. Ah, il est trop con. Quoi? Vous avez quoi? C'est vraiment le professeur le plus éclaté de... Chaud, hein. Ouais, mec, t'es un génie, hein, vraiment. Wow. Ah ouais, Pouinage, j'ai ton fils dans ma classe. Oula, ok, bon, on va pas l'embêter. Y a mon fils dans ta classe, là, genre, où tu travailles et tout? Au pire, Balti, regarde là-bas, il y a prof de maths. Va récupérer ton avion et tu pars, pars, enseigne plus, hein. Ouais, carrément. Prochaine. Ouais, vas-y, ciao. Hein. Oh. Prof de maths, ça. Putain, prof de maths, Ok. Bon, le prof de maths, c'est un malade. Bon. Eh, maintenant, je pense qu'il devrait nous rester que des filles, hein, parce que bon, là, c'est pas que on a assez rigolé là, mais bon, j'ai bien envie de rencontrer des filles maintenant. Donc bon, voilà, comme vous avez pu le voir, en tout cas, voilà, on a fait à peu près, voilà, déjà trois tirs, et il nous en reste du coup plus que. Oula, ok, bon, il a du mal à piloter. Allez, c'est parti. Donc du coup, attention, on va tirer maintenant la dernière flèche que du coup on a. Le rouge. Bon, le rouge, ça a l'air pas mal. Vraiment, je pense que c'est un truc pas mal. On va quand même aller regarder pour voir qu'est-ce que c'est. Oh, c'est Ladybug. C'est Ladybug. Bah c'est, tu sais, c'est la fille que Homer il parlait là. Homer Simpson, ouais. Ok, bon bah du coup voilà. Apparemment, il devrait y avoir Ladybug qui devrait arriver. Mais attention, pas n'importe comment. Elle devrait arriver en tenue de sirène. Donc voilà, voir si c'est une vraie, voir si c'est une fausse. Mais franchement, je pense qu'il y a beaucoup de chances qu'on ramène Ladybug, tu sais, dans mon île secrète. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Regarde là-bas. Fais voir là-bas, qu'est-ce qui se passe? Oh là, c'est Ladybug. Mais what? Oh, coucou. Salut Ladybug. Comment tu vas? Ok, ça bon va les gars. Bah ça va, ouais, va, moi tranquille. Moi ça va super Ladybug. Bah ouais, du coup Ladybug, t'as un truc coincé en... Elle a quoi? On a quoi? Tu vois ce que je vois? Non, punaise. Oula. Ouais, t'as quoi? Oula. Ok. Bon, c'est pas grave.
C'est bon même ça. Bon, du coup, enchanté Ladybug, bah, de faire ta connaissance, même si on s'est déjà vu et tout. Alors, en ouais. gros, je t'explique Ladybug, tu vois, j'ai fait une sorte, on a fait une sorte de jeu, du coup, avec l'animateur qui est là, tu vois. Et en fait, ce serait celui qui était le plus gentil et le plus fort à mon jeu, qui gagnerait et qui aurait le droit de partir sur mon île secrète. Mais du coup, voilà, je voulais savoir, en fait, si toi, ça t'intéresserait de partir dans mon île secrète avec... Bah ouais, avec, moi, je suis déjà venu en plus et... En plus, c'est bien. C'est bien là-bas, il fait chaud, l'eau est chaude. Ça devrait devenir et tout. Bon, écoute, quand même, personne, enfin, tout le monde ne peut pas venir dans l'île secrète. Donc, ce que je propose, c'est qu'on fasse une petite course, tu sais, de sirène. Et si tu gagnes, je pense que t'auras tes places. Enfin, t'auras le droit à avoir tes places pour aller dans l'île des sirènes, tu vois. Un dans concours de style. Un concours de style. Ouais, de figure. Ah, de figure. Ok. Bon bah, du coup, bah, ce sera le présentateur qui notera laquelle il préfère comme figure. Vas-y. Ouais, vas-y, justement, tu feras l'arbitre, c'est ça. Oui, je te fais un cadeau. Tu feras l'arbitre, tu... Oh, qu'est-ce que tu corromps l'arbitre comme ça, là, eh? Non, franchement, ça c'est moins un point, ça, hein. Je lui donne... Moi, je compte sur la carte bleue à punir. Quoi? Comment ça, ma carte bleue? Non, pas ma carte bleue. Bon, oubliez. Ok, bon, du coup, ce qu'on fait, c'est que, ouais, donc Ladybug, tu vas commencer à faire la première figure pour voir un petit peu. Vas-y, hop. Ouais, les salopes. Wow. Bon, du coup, voilà, il y a Ladybug qui est parti commencer à faire des petites figures, là. Bon, elle s'arrête vraiment plus, monsieur présentateur, vous en pensez quoi de ces figures-là qu'elle est en train de faire, là? Franchement, c'est pas ouf, hein. Ouais, vraiment, là, je sais pas, j'ai... dans tous les sens, on dirait un Scooby-Doo. Ouais, franchement, c'est... Ouais, bah, on a compris, en fait... J'aimais bien Scooby-Doo. Ouais, Oula, bon, il y a embrouille, les gars. Ouais, bon, du coup, monsieur le présentateur, je crois qu'il voulait me dire quelque chose. En tout cas, voilà, dans les commentaires, juste avant qu'on écoute, du coup, la proposition de monsieur le présentateur, n'hésitez pas à me dire quel personnage vous avez préféré entre ces quatre. Donc, voilà, je rappelle qu'on a vu aujourd'hui Homer Simpson, qu'on a vu Gumball, qu'on a vu Baldi, et qu'on vient juste à l'instant de voir Ladybug. Donc, du coup, qui voudriez-vous qu'on ramène sur l'île, en tout cas, pour au moins une vidéo, ça pourrait être vraiment cool. Et puis, du coup, bah, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir... On va aller voir du coup le présentateur parce que je crois qu'il y avait un petit truc à nous dire. Merci Ladybug, tu peux y aller, allez vas-y, merci beaucoup, allez bisous, ciao. Ouais, bon du coup monsieur le présentateur, qu'est-ce que tu voulais me dire exactement? J'ai pas trop compris. Je voulais vous demander parce qu'en fait, vous savez que ce travail ça fait pas beaucoup. Ouais. Je vais me faire ici, en plus je suis un remplaçant. En plus, la PX12 dans des îles et tout. Moi je suis tout le temps là à faire mon émission, bon bref. Je vous ai entendu parler de votre île, je sais pas quoi, il y a pas moyen de venir avec vous ou pas? Attends, l'animateur là-bas. Vous voulez gratter une place sur mon île? Enfin, tu veux, on peut se tutoyer, hein. Tu peux gratter une place, tu veux gratter une place dans mon île pour faire quoi, genre? Au champ en étant animateur et tout, genre. Et ça veut dire que c'est ça qui deviendra l'animateur officiel de l'île, genre? Officiel de l'île, je fais gaulerie tout le monde. Ok, bon bah, on verra ça, mais franchement, ça peut être une bonne idée. Bah, tu sais quoi, je garde l'idée de côté, et ce que je propose, c'est que je te pose un avion, comme ça, tu sais, je t'enverrai les coordonnées si jamais les abonnés sont intéressés. Mais ouais, ça pourrait être cool, ouais, donc, bah, pourquoi pas, ok? Ok. Bah, vas-y, bah, merci beaucoup, en tout cas, et puis, vas-y, bah, à la prochaine, je demanderai à mes abonnés ce qu'ils en pensent, ok? À la prochaine. Vas-y, à plus. Ok. Bon et bien du coup voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo. En tout cas n'hésitez pas dans les commentaires à me dire voilà si jamais ça vous dirait que le présentateur vienne sur l'île. Voilà, vous mettez les commentaires oui ou non. Et puis en tout cas voilà, si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, en tout cas n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche de notification. Ça me ferait vraiment super plaisir. Et puis en plus comme ça tu ne louperas plus aucune de mes vidéos. Surtout que voilà, j'en sors une chaque jour et c'est franchement vraiment génial. Et puis n'hésite surtout pas aussi à pourquoi pas mettre un petit pouce bleu parce que les amis, attention, à 3000 pouces bleus, voilà comme je vous avais dit, on refera une nouvelle vidéo où on ira voir une nouvelle roulette, voilà, mais ce sera pas la roulette des sirènes mais encore une nouvelle roulette. Donc voilà, sur ce en tout cas je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne fin de soirée et à la prochaine. Allez, ciao.